vous êtes là, vous êtes là. Ah ouais. Ah, je suis content, je suis content, je suis heureux, l'entrée, je l'ai bossé. Hein. Ah, j'ai bossé l'entrée, à l'entrée, je l'ai bossé, fallait que je la bosse, hein, j'ai bossé l'entrée. Hein. C'est à l'entrée, je l'ai bossé. Hein. Waouh. Ah non, je pouvais pas arriver au bout de 13 ans comme ça, les mains dans les poches. Non, je me suis dit, il faut bosser l'entrée. Hein. Je m'étais collé un stress avec cette entrée. En plus, avec le spectacle de Paul Naref, là, le retour, ça m'avait collé une pression. Vous l'avez vu, le spectacle de Paul Naref? Oui, oui, ah, magnifique, hein, les chansons sont magnifiquement bien chantées par le public, il les connaît par cœur. Hein. Pour les musiciens, il a pris de pseudo bispo, ils avaient l'habitude de jouer les morceaux. Et le chanteur, ils ont pris un petit vieux, ils lui ont collé une perruque et des lunettes. Bien, bien. Non, ça fait la blague, bien. Ah, je m'étais collé un stress. Ah, je savais pas, à un moment j'ai tout imaginé pour rentrer. À un moment je me suis dit, je vais rentrer en roulade avant, flip-flap arrière, je vais me récupérer en grand écart. Au milieu de la salle, comme ça, puis j'ai abandonné l'idée. Je voulais pas niquer le costard à une boule quand même. J'ai même imaginé sous-traiter l'entrée. Apprendre quelqu'un pour le faire à ma place, quoi. Hein? J'avais trouvé quelqu'un, Milos. Oh, un Yougoslave, un Roumain ou un Tchécoslovaque, enfin, je sais pas de quel pays ils venaient, mais quelle souplesse ces gens-là. Je sais pas ce qu'ils mangent dans leur pays, du pain mouillé ou je sais pas quoi. Une souplesse. Puis souple surtout, hein, sur les horaires, sur les salaires. J'avais fait un petit contrat d'embauche, souplesse Sarkozy. Avec une petite période d'essai de 6 ans, hein? Et puis, pour salaire mensuel, eh ben, un petit billet de 5 euros. Mais soyez pas choqués, il n'y a pas plus petit comme coupure. J'ai vérifié. Non, après, tu le payes en pièces. Non, ça lui fait de la peine, ça lui rappelle son ancien travail. Quand il vendait ses organes à la sortie du périphérique. Commencez pas à faire haut maintenant, parce que là, je me suis dit, je vais arriver au bout de 13 ans, je vais commencer mollo. On n'a pas fini sinon, hein. Mais en plus, concentrez-vous ce soir, hein. Vous avez vu, il y a des caméras, enfin, je sais pas si vous les voyez, parce qu'elles sont assez discrètes. Un gros merde, hein. Soyez bons, hein, ce soir, hein. Enfin, passerez certainement à la télé. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils sont souples, ces gens-là, Milos, là. Oh là là, ils vendent tous leurs organes, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est comme ça. Mais... c'est pour ça qu'il devait être si souple, le Milos, là. Il avait dû vendre sa colonne vertébrale. J'aurais dû m'en douter, le premier jour des répétitions, il arrivait avec des baskets neuves, ça devait être ça. En plus, il avait une magnifique montre en or. Oh, je lui ai dit, ça t'a coûté la peau des couilles, ça. C'était ça? Vous m'avez manqué. Ah, oh, merci. C'est vrai, je vous ai manqué? Oui. Oh, je m'y attendais pas du tout. Et comme ça, je vous manque déjà? Oh. Non, je me doute bien en plus. Et je me tire 13 ans, je reviens 13 ans, je me pointe comme une fleur. Je me doute bien que vous avez eu une vie entre-temps. Ben, vous avez vécu, il y a bien un soir où vous avez eu envie de rire un petit coup ailleurs, quoi. Non mais je peux rien vous reprocher, je vais pas vous faire une scène, on n'était plus ensemble, je vous le rappelle, donc y a pas de... Non mais je veux dire un comique d'un soir, un comique de passage. Hein? Non mais rassurez-moi, pas de relation constructive, durable, sérieuse avec un autre comique. Menteur. Je peux pas vous croire. Qui? Qui? Vous avez vu? Qui? Gad? Alors, attention, vous savez qu'il est juif, hein. Non, mais... Ah ben, si, non, mais ça, attendez, si vous voulez construire quelque chose de sérieux avec Gad, ça peut passer par la circoncision, hein. C'est la double peine, la circoncision, hein. La première, c'est que ça fait mal, la deuxième, on t'offre une gourmette en or, hein. Qui d'autre?
Biga, vous aviez bu, non? On regrette le lendemain. On culpabilise! Non, hier, il y a une jeune femme qui m'a dit qu'elle avait revu Bedos. Je ne juge pas, j'aime beaucoup. Non, c'est la différence d'âge qui me choque. Content de vous retrouver. Oh. Waouh. Vous n'avez pas changé. Ah, je vous retrouve, je vous reconnais tous, pareil, hein, identique, hein, c'est formidable ça. Non, mais c'est bien, vous n'avez pas vieilli. Non, non. Non, non, mûri, pas vieilli. Mais c'est bien de mûrir, hein. On apprend à se détacher des choses, on prend du recul, monsieur, vous vous êtes détaché de vos cheveux, hein. Ça vous va très bien, cette petite calvitie, hein. Et vous, monsieur, ce front dégagé, une chimio, ça fait crooner. Qu'est-ce qu'on avait dit avec Léo? Hein? Non mais quoi? Faut voir le bon côté des choses. C'est vrai que ce temps qui passe sur les hommes et sur les femmes, quelle injustice, hein? Les hommes, quand ils mûrissent, ils deviennent poivre et sel, Georges Clooney, Nespresso. Les femmes, elles ont de magnifiques cheveux blancs, café grand-mère. Mon instinct me dit que la salle est partagée en deux, quoi. C'est incroyable, je vais vous réconcilier. Pour les hommes aussi, c'est difficile de mûrir, hein. Faut apprendre à devenir zen, apprendre à oublier son sexe. C'est pour ça qu'on se laisse pousser un gros ventre et qu'on le pose par-dessus, hein. Mais moi aussi, j'ai grandi. Là, je me suis dit, ça a l'air trop facile, il doit y avoir un piège. J'ai bien réfléchi et j'ai répondu oui.